Oh, le finish avec! Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Buffet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening des abonnés sur Brawl Stars. La participation, comme d'habitude, vous avez le mail en description, bfapack@gmail.com. Utilisez un site internet ou un logiciel qui vous permet d'envoyer des gros fichiers, voilà, du style WeTransfer pour que vous envoyez de la qualité. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous voulez un prochain épisode prochainement, ça se dit, je sais pas, on l'a dit quand même. Et là, on voit que ça enchaîne plein de petites boîtes. Alors, format iPad, voilà, du coup, j'ai mis un petit... Hein, je voulais pas vous mettre des bandes noires, donc voilà, j'ai mis un petit slide dans le côté. Voilà, on y sera, il fera mieux la prochaine fois, mais on prend aussi des records d'iPad, y a pas de souci. Donc, on y va. Il y a 5000 trophées tout rond, il doit être fier, c'est à mon avis un objectif pour lui. Ça enchaîne, ça veut forcément du nouveau brawler. J'ai pas fait gaffe s'il y avait eu la liste de courses en début de son enregistrement. La liste de courses, c'est quand vous allez dans la liste de brawler pour voir un petit peu ce qui vous manque. Pour l'instant, ça va très vite. Il y a du level up de pas mal de... Voilà, un petit lion par exemple qui va pouvoir level up. Donc ça, on est content. On sait qu'il a un petit lion en plus, donc il est plutôt pas mal. Peut-être qu'il va nous sortir un petit spike ou un petit crow. Je vois pas trop ça dans les points de pouvoir pour l'instant. Il y a du Daryl, il y a du Bull qui enchaîne ici pour Colt et Franck qui prennent leur level up également. Ils prennent tous leur level up là, j'ai l'impression. Alors qui n'a pas level up? Le Primo n'a pas level up. La Pam n'a pas level up. Oh, oh, c'est Carlo, le petit Carlo. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Eh mais il est très récent donc du coup ce pack opening. Ok, super ça, nickel. Le petit Carl qui est débloqué, ça fait plaisir parce que c'est un nouveau brawler, mais je vous demande quand même ce que vous en pensez, parce que moi, après l'avoir testé un petit peu, ben je suis pas content de Carl, moi, je suis pas content, je le trouve pas OP. Alors je l'ai pas max, peut-être que son star power fait la différence, mais sans star power, pour l'instant, c'est pas ouf, c'est lent, c'est très lent comme mécanique, et bien que ça fait un peu penser au bourreau de Clash Royale, et ça pourrait être bien, mais... Oh, le petit Jean! Bah voilà, le petit génie qui a précédé Carl, qui... Je préfère le petit génie, moi, pour ma part. Après, c'est une mythique. Alors, on a peut-être respecté le délire, mais bon, en super rare, je m'excuse, mais une Penny, c'est énorme, par exemple, et ça fait du taf dans plein de contextes, donc voilà. Carlo, pour l'instant, c'est pas mon coup de cœur. Je vous invite à dire votre avis dans l'espace commentaire, à en débattre, à vous lancer des tomates. Et le Mortis qui tombe, mais ça monte en pression là. Ça monte en pression avec une deuxième mythique qui tombe. Et avec un taux de drop quand même de mythique faible, il y a eu un espace très court entre les boîtes. Allez voir le taux de drop des mythiques, vous allez voir, hein, c'est pas non plus la folie hein, par rapport aux légendaires. C'est moi où j'ai vu qu'il avait le skin. Non, il n'a pas le skin. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Il peut acheter le skin Mortis sorcière de la nuit, là, s'il veut. Mais voilà. Bon, en tout cas, le petit Carlo, il prend son point de pouvoir. Ça va pouvoir, il va pouvoir le tester à un level up. Level 2, 3, 4, on va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal. Donc ça fait quand même 3 brawlers, là, pour le petit. Comment il s'appelle? Je rêve pas à voir, ça va trop vite. Voilà, Dinos, le petit Dinos. C'est bien joué, ça, déjà. Allez. En tout cas, de mythique, c'est vachement bien joué. Ok, on enchaîne. Quoi qu'on a déjà vu deux légendaires dans une même boîte, c'était exceptionnel. Hein. C'était un youtubeur, rappelez-vous, là, c'était épique. Le petit Muffin hein, qui nous avait sorti un crow et un spike. Oh, la petite Tara. Oh, attends. Alors là, il vient de nous sortir 3 mythiques dans le même pack opening. Eh, c'est quand même énorme. C'est pas 3 légendaires, mais c'est quand même 3 mythiques plus une super rare dans le même opening. Je m'excuse, mais elle a... Plutôt chanceux ce man, hein. Plutôt énorme. Non mais dans le 4 brawlers, il a 4 brawlers à monter, mais ça veut dire qu'il va pouvoir tryhard toute la semaine là. Sur ces 4 brawlers, il y a de quoi faire. Hein. Il y a du pain sur la planche. Ça va lui faire du bien ces trophées. Il va passer à 6000 en 2-2 et plus encore. Ok, enchaînement derrière, ici, avec ses petites boîtes qui enchaînent pour du Poco. Le Poco. C'est l'Elad qui m'a coûté cher hein, dernièrement avec vous savez, la petite série où si je marque pas 3 buts, ça me coûte très cher. Bref, on la fera peut-être avec Carl, tiens, pourquoi pas. Hein, pour changer un peu parce que ça y est, là, je commence à plus pouvoir le voir le jean. Mais Carl, ça va être encore pire à mon avis pour marquer mes débuts. Bref, il level up. Il lui reste plus beaucoup de boîtes là. Yanita qui prend aussi son level. La Pam, on était pas loin. Et là, oh, Star Power! Star Power de Jesse, le mec a chopé 4 brawlers et un Star Power de Jesse. Eh ben dis donc GG. Et ça part sur quelqu'un d'autre qui nous ouvre une méga boîte. Attention le 6, on l'a vu. Un nouveau brawler ici, Polly, Daryl. Ok, le petit Dynamic. La méga boîte d'une vie peut-être. Avec un Colt 44, ça sera.
Et ça sera non, ça sera le Spike tout jaune, tout vert, tout rouge, tout qui pète. C'est le jaune de la légendaire derrière moi qui me fait toujours vibrer. Il le jette comme ça et c'est tout. Et il avait que ça. Le mec, il envoie 40 secondes d'enregistrement comme ça au calme juste pour me dire "Regarde mec, j'ai une méga boîte, je vais choper une légendaire." Et ça le choque pas. Ou alors, je sais pas, il est choqué mais ça est passé très vite. Dans sa tête, un quart d'aril qui nous tombe dessus pour le petit Gaspard le BG, un petit d'aril qui est passé inaperçu. C'est une super rare, mais bon, c'est que voilà, c'est Daryl. C'est Daryl, il est passé avec Daryl. Moi, pour l'instant, je préfère Daryl à Carlos. Hein. Mais bon, sait-on jamais. Ok, si, je pense qu'il peut avoir un petit buff sur Carlos qui peut le mettre bien. Donc, je sais pas ce que ça va donner, je suis pas sûr, mais bon, on verra. Oh, la petite Polly qui fait plaisir. Polly présente, je vois dans le mode siège, je vois beaucoup de Polly dans le mode siège. Alors, je sais pas, moi, je suis pas encore assez expert, j'ai pas assez tryhard le mode siège, mais il est à double tranchant, hein, parce que quand on perd des trophées, on en perd d'un coup aussi, ça fait bobo. Mais c'est un mode que j'apprécie beaucoup, et avec du recul, c'est un très bel ajout qu'ils ont fait, bon, la mise à jour précédente, donc GG Supercell pour ça, et on veut d'autres modes de jeu. Alors, on est parti, on continue avec la Penny qui vient, qui prend son level up, on veut la légendaire encore, on en a une pour l'instant, et j'ai l'impression que ceux qui ont des légendaires, c'est toujours ceux qui ouvrent 2-3 boîtes, pas plus, hein. Ils arrivent pas. On est dans un mode où c'est fou hein, quand même hein, c'est fou les mecs qui ouais. plus y a de boîtes moins y a de légendaires, bref je sais pas faut caler vos pas comme attention de la grosse boîte ici, mais c'est de la méga aussi dans l'autre cas hein, faut dire aussi. Penny qui level up, ok, derrière on a quoi? Et derrière, on a de la Jetty, et ça finit comme ça, puisque c'est un enchaînement maintenant, avec un autre pack opening, avec 6 boîtes et une grosse boîte, c'est parti, ici, c'est parti avec un cro dans sa deuxième ouverture, avec 6-7 boîtes comme ça, qui tombent, je vous l'ai dit, c'est un truc de fou, vous m'envoyez que des trucs avec pas beaucoup de boîtes, ou là vous en avez ouvert, je sais pas comment vous faites des cuts, non, ça a pas l'air d'être cuté, on sent qu'il n'y a pas eu de vidéo de montage derrière, donc c'est bien joué. On repart sur un enchaînement iPad, avec quelqu'un qui a 813 trophées. Alors ça peut être sympa parce qu'il peut se passer plein de trucs. À 813 trophées, il peut y avoir de la récupération de pas mal de brawlers, et même des brawlers rares, sans être super rares, quoi qu'on n'en voit pas trop. Ça, puis c'est pas très vibrant non plus de voir un primo comme ça, voilà, en point de pouvoir ici, mais... débarquer avec un nouveau primo, ouais, c'est pas, hein, on est d'accord, tout le monde a ça, bref, c'est pas les brawlers qui sont difficiles à se disputer. Alors on continue avec la Jessie du Colt, ici, on enchaîne encore avec cette boîte qui lag un peu, peut-être le lag de la chance, non, le lag de la Jessie qui level up. Jessie, franchement, pour moi, j'adore Jessie, vous le savez, ça, ou je vous l'ai pas dit, bah, je vous le redis, j'adore Jessie, personnage fabuleux, qui mériterait pour moi d'être mythique, ou je sais pas, mais en tout cas, je la joue, quand elle était pas à 500, je la jouais vraiment, j'adorais jouer Jessie, en Brawl Ball, en plus, et c'est le Poco, on parlait de rare, Poco, et c'est le petit Poco qui tombe, donc c'est ce que je disais, dans un compte comme ça, 801, on va se tromper, je pense, des petites cartes, on va voir, hein, mais s'il a de la légendaire, là, ça va faire rager beaucoup de monde. Jessie ici, qui prend son level up, Poco qui va prendre des points de pouvoir, non pas ici, peut-être dans la prochaine boîte alors, la prochaine boîte c'est celle-ci, et le Poco prend ses points de pouvoir, voilà, logique, et ça fait plaisir, ok, on continue, Poco qui reprend, Boule aussi, ok, donc les cartes plutôt standard, Colt, Jessie, on voit qu'il a pas grand-chose, hein, mais c'est normal, hein, 800 TR, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait, ok, en tout cas, il a eu la patience avec 800 TR de collecter toutes ses boîtes, et de dire on va ouvrir tout ça en vidéo, donc beaucoup de petites boîtes, quelques grosses boîtes, et il y a du travail, il y a du farm là-dedans, donc on apprécie. Avec une bonne qualité de record, on enchaîne, on te souhaite du nouveau brawler. Allez, envoie-nous, je sais pas, une petite Polly, un petit Carlo. Non, je sais pas s'il avait Carl, j'ai pas l'impression qu'on a un enregistrement qui date du Carl. Sait-on jamais, en tout cas. Faut voir en fait s'il chope une super rare, si c'est 1 sur 3 ou si c'est 1 sur 4 ou si c'est quelque chose comme ça. Voilà. On va voir si elle sur 4, on sera fixé. Alors, Colt, pour l'instant, il n'y a rien qui tombe. Et on souhaite que ça va tomber, mais pour l'instant, ça tombe pas. Allez, on voit quelque chose. Allez, une petite. Petit Mortis. Allez, non, ça tombe pas. 15 boîtes. Et. Ah, la Penny qui tombe. Voilà, super. Alors, c'est du. Et on n'a même pas eu le temps de voir. C'est parti très vite, j'ai pas eu le temps de voir là. Qu'est-ce qui se passe? Ça renchaîne ici, ok. Bon, ok, ça renchaîne ici. Avec Shelly. Oh, le Mortis qui tombe! Voilà, il a une mythique qui tombe. Ah bah dis donc, pas mal. Le petit Poco, la petite Penny, le petit Mortis. Et ça enchaîne avec quelqu'un d'autre du coup, voilà, qui nous envoie ici. Ou nous vient de dire, bon, attention, ils sont sur mes filles. Il y a toujours 13 boîtes, c'est pas mal. Il peut se passer des choses. Alors, qu'est-ce qu'il envoie? Oh, quoi? Il a un Chromax, le mec. Il a Chromax. Ah, il va nous payer un truc. Oh, qu'est-ce qu'il va nous payer là?
J'ai pas vu ce qu'elle a ouvert. Là, je comprends pas. Là, par contre, il y a du montage. Là, c'est pas possible. Parce qu'il y a des boîtes qui s'ouvrent un peu comme ça. On sait pas d'où. Là, il se passe des choses. J'ai rien touché. Il se passe des choses. Avec un colt ici. Le ticket. Peut-être un finish. Pas de finish. Non. Oh, le finish avec Léon. Léon qui est là. Léon qui brille aussi. Regardez-moi avec sa sucette dans la bouche. Et le fond jaune. Il a réussi. Et voilà. Et ça va finir comme ça. Regardez, il y a 40 secondes d'enregistrement. Je vous l'ai dit. Hein. Ils nous font des 40 secondes d'enregistrement avec des légendaires. Ils sont énormissimes. Et la vidéo se termine ainsi, les amis. J'espère que vous avez plu. Je vous fais des grosses bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.